Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le piège redoutable que Bobby Fischer a tendu lors d'une partie contre Sami Reshevsky en 1958. Il suffit de pas grand chose pour mettre en place cette jolie ruse, et vous verrez que vous aussi, vous pourrez l'utiliser pour surprendre vos adversaires. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de la série Échecs et Mat. Bobby Fischer, de son vrai nom Robert James Fischer, est un prodige du jeu d'échecs. Champion des États-Unis à 14 ans et champion du monde de 1972 à 1975. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Sa vie incroyable et mouvementée a été adaptée plusieurs fois au grand écran et mérite une vidéo à part entière pour être bien racontée. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous apprendre le fameux piège de Fischer qu'il a tendu à Samuel Hermann Reshevsky en 1958. Ce piège existait déjà auparavant, même le grand joueur allemand Siegbert Tarrasch est déjà tombé dedans. Mais ce piège a été rendu célèbre grâce à cette fameuse partie de Bobby Fischer. Je vais de ce pas vous présenter le schéma typique du piège. Vous verrez qu'il suffit de pas grand chose pour le mettre en place. Voici le schéma de base. Le fou est sacrifié par fou prend f7 échec. Ce qui force l'adversaire à reprendre avec le roi. La suite a de quoi surprendre. On joue cavalier e6 pour attaquer la dame blanche. Les noirs prennent encore une fois avec le roi. C'est le seul moyen pour les noirs de ne pas perdre leur dame. Maintenant, le roi est exposé au centre. Les blancs poursuivent par dame d5 échec. Les noirs tentent de s'enfuir avec roi f6, mais c'est trop tard. Dame f5, échec et mat. Passons aux exemples. Ici, les noirs n'ont pas l'option de prendre f7 avec le roi. Les blancs gagnent donc facilement par fou prend f7, échec, cavalier prend f7, et là, cavalier e6, piégeant la dame. Cette fois-ci, ce n'était pas un mat, mais avoir une dame en moins pendant une partie, ça fait mal. Bon, passons maintenant dans le vif du sujet, avec la vraie partie Fischer contre Reshevsky de 1958. Fischer avait 14 ans quand il a joué cette partie. La solide construction noire de Samuel Reshevsky est totalement ébranlée par fou prend f7 échec. Si Reshevsky reprend avec la tour, il y a cavalier e6, d prend e6 et dame prend d8 qui lui fait perdre la dame. Il prend donc avec le roi. Les blancs jouent cavalier e6 et afin de sauver la dame, les noirs vont devoir jouer avec le roi. Car s'il joue D prend E6, il perd la dame. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé durant la vraie partie. Reshevsky a préféré perdre sa dame plutôt que d'entraîner son roi vers le centre et de perdre la partie. Après avoir perdu la dame, la partie a continué. Car après seulement 12 coups, Reshevsky ne voulait pas abandonner. Mais peu importe ses efforts, Fischer a fini par gagner la partie. Mais retournons en arrière, et voyons voir ce qu'il se serait passé si la partie avait été jouée différemment. Et qu'il avait repris avec le roi. Roi prend e6, mais après dame d5 échec, roi f5, c'est fini pour le roi noir. La partie continue avec par exemple g4 échec, roi prend g4, tour g1 échec, roi h5, dame d1 échec. Et là, comme vous pouvez le voir, les noirs ne peuvent rien faire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé découvrir ce petit piège. Gardez-le en tête pour vos prochaines parties. Les exemples que je vous ai présentés sont des extraits du livre « Comment battre papa aux échecs » rédigé par le grand maître international Murray Chandler et qui explique de manière très claire et pédagogique les principaux schémas de maths qu'il faut connaître. Vous pourrez retrouver ce livre ainsi que bien d'autres sur le site internet d'Olibris. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous pourrez même y télécharger des extraits en quelques clics. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder les autres vidéos de notre chaîne YouTube. Pour continuer à nous suivre, abonnez-vous. Merci de mettre un j'aime et de partager à vos amis. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. Pour plus d'infos sur Olibris, visitez notre site et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. À bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.